Enfin, la Terre est en vue. Jason jette un regard vers son équipage, les marins de l'Argo, les Argonautes, les princes les plus vaillants de la Grèce. Parmi eux, les jumeaux Castor et Pollux, Héraclès lui-même et le grand musicien Orphée. À l'instar de leur chef, on les sent émus, mais aussi soulagés d'être enfin arrivés à destination. Il faut dire que la navigation fut longue et périlleuse. Les rivages de Colchide se rapprochent, et se rapproche aussi l'objet de leur quête, la fameuse toison d'or. La toison d'or est la fourrure d'un bélier ailé, autrefois sacrifié à Zeus. Si Jason parvient à la récupérer, il récupère du même coup son royaume, le royaume de Iolcos, celui que son oncle, le perfide Pélias, a usurpé. Pélias a proposé un marché à son neveu. « Ce trône est à toi, mais à la condition que tu nous prouves que tu en es digne. Pour cela, il te faut aller chercher la toison d'or. » Jason a relevé le défi. Entouré de ses fidèles compagnons, le héros escalade les dunes. Au-delà de celles-ci se trouve le bois sacré. C'est là qu'est la toison, suspendue à un chêne. Mais avant de la décrocher, Jason devra en faire la demande au roi de Colchide, Aétès, dépositaire de l'objet mythique. Aétès en a confié la garde à un redoutable dragon qui, d'un jet de flamme, réduit en cendres quiconque ose s'approcher. Or, Aétès est un personnage fourbe et sans cœur. Il prend un malin plaisir à tuer tous les étrangers qui posent le pied sur son sol. Jason se présente au palais. À côté d'Aétès se tient sa fille, Médée. Elle est magnifique. C'est une magicienne, peut-être la plus grande de toutes, plus grande encore que sa tante, Circé, pourtant experte en métamorphose et sortilège. Aétès écoute attentivement la requête de son visiteur. Si tu es capable de surmonter les trois épreuves que je vais t'imposer, la toison d'or est à toi. Trois épreuves, mais non des moindres. D'abord, attelez à une charrue deux taureaux aux cornes et aux pieds d'airain, dont les naseaux soufflent des tourbillons de flammes. Ensuite, leur faire défricher quatre arpents d'un champ et y semer les dents d'un dragon, sachant qu'une fois en terre, ces graines peu ordinaires feront germer de redoutables guerriers qu'il faudra ensuite vaincre. Jason est stupéfait. Ce que réclame Aétès est impossible à accomplir. D'ailleurs, où trouver des dents de dragon? Aétès sourit. Il tend sa main ouverte, dévoilant une poignée de dents d'une taille monstrueuse. Les voici, à toi de les semer. Jason quitte la salle du trône, l'esprit tourmenté. Là-haut, sur l'Olympe, deux déesses ont assisté à toute la scène, Héra et Athéna, l'épouse de Zeus et sa fille. Et tandis que Jason repart, elles discutent fiévreusement de la manière de lui venir en aide. Il leur vient une idée. Elles se tournent vers Eros, le dieu de l'amour, et lui demandent de faire en sorte que la fille du roi, Médée, soit prise d'une passion brûlante pour Jason. Eros accepte. Il promet même aux déesses de faire durer la passion de Médée. À l'instant où Jason s'apprête à rejoindre ses compagnons, Médée
apparaît devant lui. D'une voix rendue fébrile par la passion qu'Eros vient de faire naître dans son cœur, la princesse magicienne lui annonce qu'elle est disposée à l'aider à surmonter toutes les épreuves. Elle le protégera. Mais elle aussi pose une condition, que Jason l'emmène loin de ce père qu'elle n'aime pas et qu'il promette de l'épouser. Jason réfléchit. Médée est belle et sa proposition est inespérée. Il jure par tous les dieux de l'Olympe que non seulement il l'épousera, mais qu'il lui sera fidèle toute sa vie. Alors, Médée lui remet un flacon contenant un liquide couleur de sang. C'est onguent, lui assure-t-elle, le protégera des flammes des créatures qu'il doit affronter. Elle lui tend ensuite une pierre banale, tout ce qu'il y a de plus commun. Une fois qu'il aura semé les dents de dragon et qu'elles se transformeront en redoutables guerriers, Jason devra lancer la pierre sur l'un d'entre eux. Puissant, mais terriblement stupide, les guerriers nés des dents du dragon se disputeront le caillou. Jason prend le flacon et la pierre, sa lance et son bouclier, et part affronter les taureaux cracheurs de feu. Il parvient à les atteler à une charrue, et il les contraint ensuite à tracer des sillons. Une fois le champ labouré, ainsi que le roi Aethès l'exigeait, il sème les fameuses dents de dragon. Aussitôt, des guerriers armés et casqués jaillissent de terre. Puissant, mais terriblement stupide, avait prévenu Médée. Jason n'hésite pas. Il lance sur le premier d'entre eux la pierre que lui a confiée la magicienne. Et la suite se déroule exactement comme elle l'avait prévu. L'heure est venue pour Jason de retourner auprès d'Aethès et de réclamer son dû. Médée et lui reprennent la route. La magicienne reste en retrait afin de ne pas attirer les soupçons de son père. Elle sait qu'il ne va pas tarder à comprendre que si Jason a réussi, c'est parce que quelqu'un l'a aidé. Et ce ne peut être qu'une personne douée de magie, sa propre fille. Non. Telle est la réponse du souverain à Jason. Non seulement il n'a jamais eu l'intention de se séparer de la toison d'or, mais furieux que son piège n'ait pas fonctionné, il menace de brûler l'argot et de massacrer l'équipage. Jason ressort du palais, désemparé. Médée est là, qui l'attend. Que faire ? Dérober la toison, déclare la magicienne avec détermination. Elle est gardée par un terrible dragon. Médée rassure Jason. Il ne doit pas avoir peur. Jason se laisse guider par la magicienne jusqu'au bois sacré. La toison d'or est bien là, et le dragon se tient tout près. Il est terrifiant, plus grand que l'argot lui-même. Son corps est cerclé de 1000 anneaux, et surtout, il est invincible, immortel. Médée s'approche lentement. Elle murmure de mystérieuses incantations, saisit des branches de genévrier, en extirpe la sève connue pour ses effets narcotiques, et elle asperge les paupières du dragon. Le monstre plonge aussitôt dans un sommeil profond. La voie est libre. Jason décroche la toison d'or. À présent, il faut partir, vite. D'autant plus vite qu'Aethès, alerté, vient de lancer ses soldats à leur trousse. Médée prend alors une décision étrange. Elle s'empare de son demi-frère, Apsyrtos, et l'emmène en otage. Au terme d'une course effrénée, le trio rejoint l'argot. On largue les amarres. L'argot s'éloigne du rivage. Mais déjà, voilà que la galère d'Aethès se glisse dans son sillage. Les argonautes
font tout ce qu'ils peuvent pour accélérer. Mais l'équipage du roi est rapide. Il ne va pas tarder à les rattraper. Médée est prise de panique. Pas question pour elle de retomber entre les griffes de son père. Pas question non plus que Jason, pour qui elle éprouve un amour fou, soit pris et mis à mort par Aétès. Alors, elle commet un acte impensable. Elle s'empare d'une épée, empoigne son demi-frère et, sans la moindre hésitation, lui transperce le cœur. Puis, avec la même détermination, elle lui tranche la tête, le découpe en morceaux et, devant les Argonautes horrifiés, les jette un par un par-dessus bord. Le roi Aétès, tétanisé, manque de défaillir. Il vient de reconnaître la tête de son fils dérivant sur les flots. Immédiatement, il fait stopper son navire, ordonne que l'on recueille le corps morcelé d'Apsyrtos afin de lui offrir une digne sépulture. L'Argo file vers le large. Il est sauvé. C'est alors qu'une voix terrible s'élève. C'est celle de Zeus. Le roi des dieux, révolté par le geste de Médée, proclame que les deux amants paieront de leur vie ce meurtre atroce, sauf s'ils parviennent à se faire purifier. Or, une seule personne peut accomplir cette purification. Médée le sait. C'est sa tante, la puissante magicienne Circé. Sur elle courent mille légendes, toutes plus inquiétantes les unes que les autres. L'Argo change de cap. La traversée est longue et périlleuse jusqu'à l'île où vit Circé. Il faut affronter mille tempêtes. Au terme de 30 jours de mer, Jason et Médée arrivent au palais de la grande magicienne. Ils se mêlent à la foule des suppliants venus eux aussi en quête de purification. Drapée dans une tunique écarlate, Circé s'avance. Dans un silence impressionnant, elle s'approche du couple et tend au-dessus d'eux une jeune brebis. Lui tranche la gorge, arrose les mains de Jason et de Médée de son sang en invoquant Zeus. Le rituel achevé, Circé fixe sa nièce avec dureté. Elle lui lance « Je t'ai purifié. Je ne méditerai aucun malheur nouveau contre toi. Mais sache que je n'approuve ni tes desseins, ni ta faute honteuse. Sors d'ici. » Médée éclate en sanglots. Jason, de plus en plus troublé par le mauvais sort qui frappe la jeune femme, se demande si une malédiction ne s'est pas abattue sur lui et son équipage. Le voyage reprend. Au moment où l'Argo longe les côtes de l'île de Corfou, apparaît un puissant navire aux armes d'Aétès. Le roi de Colchide n'a pas abandonné. Jason comprend que la poursuite ne cessera jamais. Où qu'il aille, quoi qu'il tente, Aétès marchera sur ses traces. Un seul choix s'offre à lui, épouser Médée. Moins pour honorer sa promesse que parce qu'il sait que le roi ne cherchera plus à récupérer sa fille une fois qu'elle aura perdu sa virginité. Jason donne l'ordre à l'équipage d'accoster. On descend à terre et le mariage est aussitôt célébré, avec pour témoins les Argonautes qui déploient la toison d'or sur le lit nuptial. Lorsque les poursuivants arrivent, il est trop tard. L'union est consommée. Le couple est sauvé. Thank you.
De retour à Iolcos, une terrible nouvelle attend Jason. Il découvre que son oncle Pélias, qui s'était engagé à lui restituer le trône s'il rapportait la toison d'or, a non seulement tué son père, mais massacré toute sa famille. Jason et les Argonautes, révoltés par cet acte indigne, sont d'avis que Pélias mérite la mort. Mais la cité est trop puissamment armée pour être prise d'assaut par une troupe aussi peu nombreuse que la leur. Médée se lève et prend la parole. Une fois encore, c'est son amour démesuré pour Jason qui l'inspire. Elle demande aux Argonautes de se cacher sur une plage. Lorsqu'ils apercevront une torche agitée sur le toit du palais, cela signifiera que Pélias est mort. Que les portes sont ouvertes. Ils n'auront plus qu'à prendre la ville. Et Médée part vers Iolcos, seule. Telle une ombre, elle traverse la ville, pénètre dans le palais et s'introduit dans la chambre des quatre filles de Pélias. Elle leur annonce qu'elle est l'envoyée de la déesse Artémis, qui a décidé d'offrir une nouvelle jeunesse à leur vieux père. Les filles s'esclaffent, elles n'en croient pas un mot. Alors, pour les convaincre, Médée fait bouillir de l'eau dans un énorme chaudron. Elle y verse des herbes magiques et demande que l'on fasse venir un vieux bélier qu'elle égorge avant de le plonger dans le liquide fumant. Quelques instants plus tard, c'est un adorable petit agneau qui émerge des eaux. Subjuguées, les filles de Pélias décident immédiatement de faire ce don de jeunesse à leur père. Elles implorent Médée de leur remettre les herbes magiques. La magicienne s'exécute avec grâce. Elles se rendent auprès de Pélias et lui font part de la volonté de la déesse Artémis, confirmée par l'incroyable scène à laquelle elles viennent d'assister. Elles veulent le convaincre d'accomplir le même rituel. Pélias refuse. Ont-elles perdu la tête? Ses filles insistent, racontent à nouveau avec émerveillement comment le bélier a retrouvé sa jeunesse. Pélias, agacé par tant de naïveté, les congédie d'un geste sec. Alors, les quatre filles ceinturent leur père et, déterminées, un grand sourire aux lèvres, elles le précipitent dans le chaudron d'eau bouillante. Mais il n'y a aucun charme dans les herbes magiques et Médée a disparu. Les hurlements de Pélias résonnent encore dans le ciel de Iolcos. Jason va-t-il enfin monter sur le trône? Non, car les habitants le tiennent pour responsable de la mort de leur roi. Il le chasse du royaume et couronne à sa place Acaste, le fils de Pélias. Et voilà Jason et Médée condamnés à l'exil, contraints d'aller trouver refuge ailleurs. Ils sont accueillis à Corinthe par le roi Créon. Au cours de 10 années calmes et heureuses, Médée donne à Jason 2 fils, Mermeros et Phérès. Médée, la princesse aux 1000 pouvoirs, semble apaisée. Elle se voit finir sa vie aux côtés de l'homme qu'elle continue d'aimer par-dessus tout. Mais un matin, le roi Créon convoque Jason et lui confie que, se sentant vieillir, il voudrait pour sa fille, Créuse, un époux noble qui pourra lui succéder. Il a pensé à lui. Il est déjà marié? Qu'à cela ne tienne, il n'a qu'à répudier Médée. De toute façon, poursuit Créon, Médée est une étrangère. Et selon la loi grecque, elle n'est pas reconnue comme étant l'épouse de Jason. Créuse est belle, Créuse est jeune. Jason se laisse convaincre. Le trône de Iolcos lui a échappé, celui de Corinthe lui reviendra.
et tant pis pour m'aider. Le jour même, le roi ordonne le bannissement de la magicienne. Médée est effondrée. Tout à coup, la voilà dépossédée de tout. Mais elle se ressaisit très vite. Elle réclame au roi que lui soit accordé un jour de plus dans la cité. Créon accepte. Il n'imagine pas un seul instant l'effroyable vengeance que la magicienne humiliée s'apprête à mettre en œuvre. Médée fait apparaître une robe sublime, un vêtement digne de la plus belle des déesses, de la plus noble des reines, et prétextant un gage d'amitié, la fait parvenir à sa rivale. Créuse est ravie, éblouie. Elle s'empresse de la revêtir. Et c'est l'horreur. À peine a-t-elle enfilé la robe qu'elle s'enflamme. Créuse brûle. Dévastée par un feu terrible, elle se consume dans des douleurs atroces. Au même moment, Médée s'est mise en route pour le temple d'Héra. Elle n'est pas seule. Les deux enfants de Jason, leurs enfants, l'accompagnent. Il fait nuit. Un silence pesant règne autour d'eux. Médée fait asseoir Mermeros et Phérès à ses côtés. Elle les prend dans ses bras, les serre tendrement contre elle. Dans son regard, on ne sait plus si domine la colère, la jalousie ou le désespoir. Et soudain, poussant un cri terrible, Médée dégaine un poignard et le plonge dans le cœur des enfants. Jason, le conquérant de la toison d'or, n'est plus que l'ombre de lui-même. Peu importe maintenant le pouvoir et la gloire. Il vit dans ses souvenirs, seul et malheureux. Dans le souvenir de ses fils assassinés, dans le souvenir de ses exploits d'antan et de ses amours trépassés. Un jour qu'il gît les yeux fermés sous la feuillée, à l'ombre de l'Argo, son vieux navire au bois rongé, la poupe vermoulue s'abat sur lui, dans un grand fracas. Jason meurt sur le coup, dans son sommeil. Qu'est-il advenu de Médée ? On ne sait rien de sa fin. Certaines légendes rapportent qu'elle partit pour Athènes, où elle ensorcela le vieux roi Égée avant d'être à nouveau exilée. D'autres prétendent que les dieux, magnanimes, lui ôtèrent la vie mais lui pardonnèrent son horrible crime. Il l'aurait transportée jusqu'aux Champs-Élysées, où elle serait devenue l'épouse du héros Achille, après qu'il fut tué devant les remparts de Troie. Médée, c'est la femme errante, l'étrangère. Médée, c'est aussi la femme humiliée et trahie, prête à tout, même à tuer ses enfants. Démesuré, possessif, son amour est devenu assassin.